L'Esprit de Dieu est ici ce soir. Amen. Je vais y aller. 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 Je veux voir la gloire de Dieu. Fais comme ça, je veux voir la gloire de Dieu. Mais devant la difficulté, la seule chose qui peut te donner de l'autorité de tenir devant l'adversité, devant la solitude, la parole de Dieu. Amen. Ah, Dieu, il a sa parole, hein? Dieu, quand il parle, personne ne peut le défier. Dieu, hey, Dieu, il dit, Jérémie, je t'ai établi. Ouais, je t'ai établi en tant que serviteur, mais ça, c'est une chose. Tu seras seul contre tous. Contre tous. Le tous, c'est qui? Regarde, il dit contre les rois, contre les princes, contre les sacrificateurs, contre le peuple. Mais attendez, mettez-vous à la place de Jérémie, s'il vous plaît. Contre les rois sont contre lui. Et puis qui encore? Les princes sont contre lui. Et puis qui encore? Les sacrificateurs et le peuple. Tu es chez toi? Quelqu'un te rend visite? Il dit qu'il est roi. Mais toi, tu n'as plus le droit de rentrer dans le pays. Tout le monde te rejette. Après, maintenant, tu vas compter sur un autre groupe. L'autre groupe vient dire, toi, on n'est plus avec toi. Après, les pasteurs, ceux qui ont pu compter, les hommes de Dieu, ceux qui ont pu compter, les pasteurs même vont te rejeter. Et après, on dit, le peuple était contre. Mais si ton pays est contre toi, vers qui tu vas te tourner? Seul contre tous. Il va arriver un moment où tu seras seul face à la mort. Malgré ton argent, il va arriver un moment où tout le monde va t'abandonner. Seul contre tous. Même si tu es seul. Dans
ton autorité. Amen. Un homme peut rire avec toi. Il peut te dire tu es le meilleur homme de Dieu. Tu es la meilleure servante de Dieu. Il peut rire avec toi. Mais son cœur ne peut être avec toi. C'est seulement son visage qui est avec toi. Mais l'intérieur n'est pas avec toi. On dit, il nous donne le pouvoir sur les serpents et sur les scorpions. Deux reptiles. En eux, il y a le venin. Mais Dieu dit, il nous donne le pouvoir sur ces reptiles-là. Ça veut dire quoi? Quelle est la signification spirituelle du serpent et du scorpion? La signification spirituelle du serpent et du scorpion, c'est la méchanceté spirituelle. Frère, nous sommes dans une atmosphère où se trouvent des méchants. Méchanceté spirituelle. Hé, Satan est méchant, hein? C'est pour cela qu'il faut rester spirituel du début jusqu'à la fin, parce que nous sommes dans un système de méchanceté spirituelle. Je vous ai donné l'autorité, marcher sur le serpent et sur le scorpion. Tu as tout le pouvoir de marcher sur la méchanceté spirituelle. Quelle que soit la méchanceté spirituelle, il y a un Dieu qui est parti à la croix. Il est mort à la croix. Il a été enseveli. Le troisième jour, il est ressuscité pour ta délivrance. Le troisième jour, il est ressuscité pour ta victoire. Le troisième jour, il est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus a ressuscité. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Nous avons l'autorité par la résurrection de Jésus. Ne doute pas de la puissance de ton Dieu. Chrétien, ne doutons pas de la puissance de notre Dieu. Quand tu deviens nouveau chrétien, tu acceptes Jésus dans ton cœur. Jésus met une épreuve devant toi. Il veut te voir, hein? Il veut voir comment tu vas franchir cette étape-là. Une fois que tu l'as franchi bien, il augmente ton eau. L'autorité progressive. L'autorité que Mme Seka a maintenant n'avait pas ça il y a 15 ans, 20 ans quand elle était jeune chrétien. Vrai ou faux? Ça progresse. Regardez le cas de David. David combat Goliath. Mais il a combattu avec quoi au départ? Il a combattu avec une lance pierre. Lance? Vous connaissez lance pierre? Est-ce qu'une lance pierre peut tuer un Goliath? Elle a dit tout à l'heure que la main de Dieu était derrière la pierre. Mais après avoir tué Goliath, David a pris l'épée de Goliath pour trancher la tête de Goliath. Vous voyez pas la progression? Du lance pierre, il est passé à une épée. Progression. Fais progresser ton autorité. Mais pas peur des situations. En fait, c'est ça que Satan il connaît. Satan sait que si tu as peur, ton autorité va faiblir. Donc, il crée la peur. La peur, c'est la piste d'atterrissage du diable dans ta vie. Une fois que tu as peur, tu perds ton autorité. Mais s'il sait que tu n'as pas peur, et que tu prends le dessus sur lui, alors là, il est désarmé. C'est pour cela, quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, ne laisse pas le diable manipuler tes pensées. Ne sois pas une marionnette pour Satan. Ne sois pas une marionnette de Satan. Ne laisse pas Satan téléguider tes pensées. Une fois que tes pensées sont téléguidées, ça va tuer ton autorité. Refuse que tes pensées soient à la merci de Satan. L'homme fonctionne à la vitesse de ses pensées. Regardez, par exemple, quelqu'un qui chute. Tu chutes dans l'adultère, ou tu chutes dans l'impudicité, ou tu chutes dans la fornication. Ça ne tombe pas à la chute. La chute se prépare. C'est vrai ou c'est faux? Comment il fait? Il prépare d'abord ton esprit. Il prépare ton esprit. Quand il prépare ton esprit, il voit que ton esprit commence à être faible. Hein? Ton esprit commence à s'affaiblir. Il dit, écoutez-moi. Quand le voleur vient voler, dans la maison où le voleur vient voler, le voleur n'est pas inconnu à votre maison. C'est vrai ou c'est faux? Quand vous fouillez dans le vol, celui qui vient voler la banque là, il y a forcément une complicité. C'est vrai ou c'est faux? Quand on vient vous voler là, il y a forcément quelqu'un qui connaît un peu la maison. La personne qui vient voler n'est pas inconnue à votre maison.
La personne sait. La personne a des choses. Donc quand Satan il vient, ça veut dire quoi? Il vient, il t'attaque un peu. Il voit que tu commences à te plaire dans ces pensées qu'il te donne. Il te met une pensée, ça te plaît. Il dit vas-y, allez, regarde le porno, regarde bien, ça commence à te plaire. Tu mets la chaîne porno, tu regardes. Il tente encore. Il fait ça pendant un moment. Quand il voit que tu es habitué, Satan n'est plus inconnu à tes pensées. Il sait que quand tu viens, la porte est déjà ouverte. Confesse. Confesse jusqu'à ce que tu réalises dans ton esprit que l'autorité est en toi. L'amour n'a pas l'autorité sur nous. Amen. Parce que nous avons la puissance de Dieu avec nous. La Bible dit qu'il nous a donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Notre Dieu a la puissance sur la mort. Amen. La mort n'aura pas d'autorité sur toi. Amen. Dors tranquille. Ça dépend de tes pensées. Hein? C'est pas parce que ton papa a mort de diabète que toi tu vas mourir de diabète. Hein? La mort de ton papa ne sera pas ta mort. Amen. La mort de ton voisin n'est pas ta mort. Amen. Ne te condamne pas. Ne dis pas parce que mes parents ont le diabète ou même telle maladie. Moi, si je vais avoir, je vais mourir. Ton Dieu a la puissance sur la mort. Dieu a l'autorité sur la mort. C'est quand tu es ta maman, ne te tuera pas. C'est quand tu es ton papa, ne te tuera pas. Notre Dieu est le Dieu de la puissance. Il est le Dieu de la gloire. Nous avons besoin de toi. L'Esprit de Dieu est ici ce soir. Le blanc de Dieu est ici ce soir. Oh, viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Nous avons besoin de ton autorité. Alléluia. Merci, Jésus. Nous avons besoin de toi. Seigneur, tu nous as parlé. Tu t'es révélé à nous, oh Dieu. Mets ton amour dans nos cœurs pour les autres. Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit. Le vrai leadership, c'est de faire briller les autres. Seigneur, remplis-nous de ton autorité afin d'aider les autres. Conduis-nous dans ta présence. Seigneur, les visions qui sont nées par toi, soient scellées par toi. Et que tout esprit qui ne confesse pas Jésus pour décourager les gens, la peur, ces choses, Seigneur, soient sans effet au nom de Jésus. Seigneur, le monde a besoin de toi. Et que tu sois à chacun de nous, Seigneur. Et que ton autorité soit à chacun de nous. Nous te rendons honneur et louange à toi. Nous te bénissons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'ai prié. Amen.